Voilà donc quatrième coupure, excusez-moi, hein. Je suis vraiment désolé, j'ai gardé les vidéos donc vous pourrez les voir une par une, mais je sais pas, il y a le 5G, hein. J'ai l'impression que c'est lui qui coupe. Hein. Donc en dessous, ben, on a la ville de Tulin, hein, vous voyez dans le trou. Donc Tulin, vous montez le col, à peu près 15 minutes, on arrive au col de Parmigny. Mais alors une vue avec le Vercors, la Chartreuse en face de nous, mais alors vraiment incroyable. Hein. Donc là, on arrive à voir, à distinguer le Mont du Chat. Donc là-bas au bout, alors vous voyez un peu la vue qu'on a de là. Hein. Donc et puis après, on a les différents. Là en face, on va voir du côté de Voiron, hein, Notre-Dame de Wise. Alors on arriverait à distinguer à première vue aussi le Mont Blanc, mais bon là aujourd'hui c'est brumeux. Donc le Mont Blanc se situe à peu près côté Voiron, derrière la Grande Sûre en fait. Hein. Voilà. Et puis on a le Mont Granier. Et puis donc après bon, on a le Grand Somme hein, qui est juste en face de nous. Et puis donc après derrière on redescend un rocher de l'Orzier. Le pic de Belledonne. Et puis après, bah, du coup, on est du côté de Saint-Quentin-sur-Isère. Hein, avec de l'autre côté, bah, on va voir le Pas de la Clé, le Bec de l'Orient, qui est un peu plus loin, là. Donc là, on est du côté Vercors. Hein. On a vraiment une vue incroyable. C'est magnifique. Ah, c'est vraiment un beau lieu, hein. Donc à première vue, beaucoup de balades dans le coin, hein. Donc il y a de quoi faire. Hein. Donc là, on se situe, donc là, on est vraiment à la table d'orientation, vous voyez, je vous l'ai montré. Donc là, c'est la table d'orientation du col de Parmigny, voilà. Allez voir la chapelle, hein. Elle est vraiment incroyable. Hein. La chapelle, elle mérite le coup d'œil. Entrez à l'intérieur, vous allez voir, c'est... Wow. C'est magique. Je ne vais pas aller trop loin parce que ça me déstabilise le réseau. En première vue, là, le réseau passe. Et voilà, donc ça fait une belle découverte hein, cet après-midi, donc le col de Parmigny. J'essaierai de faire 2-3 visuels avec les photos, une petite vidéo. Et on le mettra dans la carte interactive du groupe. Et c'est vraiment un lieu à faire rentrer dans les balades du Nord-Isère hein, pour que les gens puissent venir un peu passer un bon moment ici. Hein, parce que là, il y a vraiment un lieu sympa. Hein. Bonjour Virginie. On n'est pas à la chapelle de Cessieux. On est tout simplement au col de Parmigny. Et ce point est vraiment incroyable. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Donc vous voyez, l'idée, cet après-midi, je vous ai fait le Tulin, donc avec son parc. Donc pareil, hein, 3 idées de balade dans le parc. Et puis après, bah, venir sur le col de Parmigny. Et puis après, de là, ben, on peut se reguider sur pas mal de lieux. Hein. On peut aller sur la côte Saint-André, où là, il y a vraiment une ville à visiter, hein, avec, pareil, le musée Berlioz. Et puis après, ben, redescendre de l'autre côté. Après, il faut voir. Après, il faut jouer avec les différents lieux, en fonction d'où on part. Mais déjà dans le coin, là, il y a une jolie balade à faire et à découvrir. Allez, on va essayer de reprendre. Je vais essayer de garder ce direct jusqu'à la petite chapelle. Parce qu'il y a ce sous-bois là qui est vraiment incroyable, magique à voir. Mais bon, on va voir si le réseau passe. Ça se trouve, ça va couper. Hein.
Vous allez voir, quand on va arriver, on aura fait sous-bois là, ceux qui prennent le direct là, vous allez vraiment découvrir un lieu incroyable. Ou alors revenez sur les vieilles vidéos que je viens de faire là, parce que ça a coupé trois fois, hein, donc on ne pourra pas retrouver sur la même vidéo. Donc c'est pour ça que j'essaye de faire cette vidéo complète, si ça vient qu'à tenir jusqu'à là. Pas sûr, hein. On verra. Ce serait bien d'avoir une vidéo complète. Donc là, ben alors donc oui, on peut le faire avec en étant avec un handicap, avec un fauteuil roulant, sans souci. Je vous le dis tout de suite, vous pouvez le faire. Bon, temps sec, hein. Voilà, temps sec comme là aujourd'hui, c'est top. Hein. Là, vous pouvez le faire sans problème. Hein. C'est vraiment facile. Là, ça va rouler tranquille. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc là, vous pouvez voir tout le col de Parmigny, toute la visite peut se faire. On va même regarder du côté de la chapelle, mais il me semble qu'il doit avoir l'accès. Donc c'est vraiment intéressant pour ceux qui ont un handicap de pouvoir le faire. Hein. On m'a demandé de le signaler plus souvent, je le signale. On va essayer d'être complet dans les vidéos. C'est important. Alors, je sais plus à combien on est de mètres. Hein. 800, il semble. Hein. Pas certain. Et là, il y a une fraîcheur. Là, vous pouvez venir l'été. C'est agréable. Il y a la fraîcheur du bois, là, qui fait vraiment bon. Oui, le bois va pas durer longtemps. Hein. Ça va faire quoi? Ça va faire 700, 800 mètres, voilà, à peu près, même pas. Et puis donc, on va arriver à ce lieu-là, avec la chapelle, qui est magnifique. Virginie, on se moque pas. Donc les photographes, hein, montez ici, hein, venez prendre des photos, venez nous faire découvrir ce lieu là. C'est voilà, c'est un endroit qui mérite vraiment le coup d'œil. Donc vraiment en Isère là, en Nord-Isère, on a vraiment un joli lieu. Le col de Parmigny. Ah, ce serait bien que j'ai la table d'orientation sur la même vidéo avec la chapelle. Et puis le lieu où il y a la croix, mais la croix là-bas, ça coupait beaucoup. Donc je sais pas, on va voir. Pas certain. Oui, il peut même avoir dans la même balade, je suis en train d'y penser. Il faudra regarder ça. Ça peut être la première création de balade à la journée, ça peut être sympa. De faire Tulin, le parc, la petite balade du matin. Monter au col de Parmigny. Il peut même avoir en-dessus... En-dessus, il peut voir la Chartreuse avec le belvédère là-haut, en-dessus de Vorep. Ah oui, je pense que le belvédère serait sympa à faire d'entrée le matin. Suivi du parc de Tulin. Faire la halte du côté de Parmigny, col de Parmigny. Alors là, faire la halte, là, je vous dis pas, le lieu, le pique-nique, là, c'est sensationnel, hein. Et puis après, prendre direction le château de Bressieux. Et oui, pour l'après-midi.
avec la visite d'Aubrécieux là qui est à voir dans le coin là. Ah oui, ça peut faire vraiment un joli parcours. Et puis après, il peut même avoir la balade aussi du côté de Roibon avec le lac. Voilà, donc on arrive. Alors, j'espère que ça ne va pas couper. Parce que tout à l'heure, ça a vraiment coupé net. On va arriver donc à la chapelle. Vous allez voir le coin de la chapelle. C'est incroyable. Avec son petit clocher là. Regardez. Donc là, il y a toute l'histoire du col de Parménie. Hein. Ils expliquent toute l'histoire. C'est très bien fait. Et regardez un peu la vue qu'on a. Incroyable. Regardez un peu le petit clocher. Et puis donc la chapelle. Oui, alors donc vous voyez, jouable aussi pour la personne handicapée. Ils ont vraiment fait bien les choses. Donc on peut se garer avec la personne donc sur ce parking-là avec un handicap. Aller faire la balade donc donc jusqu'au belvédère. Et puis donc on peut aller visiter aussi la chapelle. Alors je rentre pas avec la caméra, hein. Je refuse de rentrer avec une caméra dans une chapelle, dans un lieu comme ça. J'évite. Mais allez voir à l'intérieur, je vous assure, c'est magnifique. Hein. Vraiment, je suis surpris de cet endroit. Hein. Regardez un peu. Et puis toujours la vue côté Vercors. Alors, pendant que ça n'a pas coupé, on va en profiter que ça vous aurait vu les trois lieux. Et le troisième lieu, vous voyez là-haut, là, à la cime, là. Allez voir, il y a une croix avec, pareil, vous pouvez vous asseoir devant une table. C'est vraiment magnifique. Hein. Je vais essayer de le faire, mais ça risque de couper. Donc, si ça coupe, eh ben, on aura eu quand même la vidéo. On aura les trois sites à venir voir au col de Parménie. Mais regardez un peu. Ah, on en prend plein les yeux, là. Voilà, donc je vais rester sur ce plan-là. Je vais reculer jusqu'à là-haut. Et puis on verra bien. Si ça coupe, bah ça coupe. Tant pis. Mais au moins, on aura fini avec une belle vidéo où on aura vu les trois sites. Et la 5G, là, qui a l'air de m'embêter. Vercors sur la droite. L'Isère, c'est pas beau? On arrive presque au troisième lieu. Je vais pouvoir faire une rotation et vous montrer ce troisième lieu. J'espère que ça ne va pas couper. Allez, on y va. Et voilà le troisième lieu. Regardez un peu. Et ben on va s'asseoir. Et puis quand ça coupe, ça coupe. Et on va profiter de ce bon moment. Ah, c'est vraiment un super lieu. Hein. Ce lieu est vraiment unique. Regardez, des chemins de balade de partout. Hein. Regardez. Hop, et ben on va se mettre pile en face.
Et si ça coupe, eh ben ça coupe. On aura tout le... toute la vidéo des trois lieux à venir voir au col de Parmigny. Oui, René, c'est magnifique. On parlera de... avec René. On a un rendez-vous vendredi matin en direct dans le groupe. Et on va parler de...